Je sonne direct là, je sonne direct, je sonne direct, je sonne direct. Je sonne direct. Hein? Ouais, mais je suis déjà en direct là. Là, je suis en direct là. C'est bon. C'est bon. Ok. Tokos. Apparemment ici on est bloqué hein. Hein? Apparemment on est bloqué là, c'est quoi c'est? Ça bouge pas là. Bon je vais essayer de partager. Dani Massengo, bonsoir doyen. Bonsoir maman, maman Céline. Mbuta. Bonsoir Mbuta, je suis déjà en direct là. Je suis en direct. Ouais. T'es là, t'as la pauvre titre pour vous rappeler. Non, tout le monde est né, n'aie pas peur. Tout le monde est né déjà, c'est bon. Ok, oui, oui. Tu peux aller voir Soufa et mon ama fils de la promesse, tu vas voir. Oye, oye, t'inquiète pas. Bate là, oye. Apparemment on est bloqué ou quoi? Rendez-moi quelques minutes, partagez. Partagez. Parce que cette page, comme j'ai dit, Chiki, Chikimpia, bonsoir. Cette page n'est pas beaucoup connue. Vous avez vu quand on était sur le fils de la promesse. Dès que je suis rentré ce soir, on dit pam 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 pam. Mais là-bas, on risque d'être bloqué. Voilà pourquoi j'essaie d'habituer un peu déjà les gens sur cette page de Faye Monama officiel. Donc partagez pour permettre aux amis de savoir qu'on est déjà en direct là. On va parler, Au nom de Dieu, vraiment, maman Céline. Michel Chansana, bonsoir. Yenge kwa kumbuta, yenge mbuta, yenge. Kouyiri. Les mamans de Bichi Congo. Chez monsieur Ovadou.
Batele mwana ofai. Rezoanje bananji. Batele, vous allez écouter des autres. Batele mwana o rezoanje bananji. L'enfant est dans le vrai. Tout ce que l'enfant a dit, même compte. Il dévoile vos secrets. Le petit là, le fistel est dans le vrai. Tata Pierre le Noir. Nye nye mouta. Les mamans de Bichi Congo ont dit ceci. Mwana ofai. Misamu miyakata akamu beno. Mbembanji. Il y a des ojo. Ce n'est pas moi. Mbembanji. Le fiston là. C'est un visionnaire. C'est vraiment le fils de la promesse. Les mamans disent on quitte le groupe de Bichi Congo. Vous nous embrouillez. Incapables. Alors qu'ils ont eu l'argent de Jean-Dominique Okemba. Ils ont eu des milliers et des milliers d'euros. Incapables de soutirer encore dans l'argent là et de donner qu'on fasse un petit don aux gens du pôle. C'est le tangawi, c'est le gingembre. Pondjini, bonsoir. Les mamans et les papas de Bichi Congo ont dit, t'es toujours au vadou. Ils ramassent des gens juste pour mettre, pour faire face. Ils créent des gens. Ils ramènent des gens pour que les gens-là deviennent des ennemis de faille. Des ennemis du groupe La Vérité, rien que La Vérité. Il y a des audios. Vous allez écouter de vous-même. Wow. Allô, maman. C'est grâce à Duracell Optimum de plus alcaline et plus puissante. Elle donne des appareils comme toi plus de puissance. D'accord. Ok. Batondo. Duracell Optimum, notre dernier. Hey! On vous dit toujours la vérité triomphera. Partagez le direct. Je partage. On va faire une petite prière. Kibondo kina kibonzambe. Paul Njini. Smith c'est là. Deste Mwanda. On dit quoi? Glorifier l'éternel, glorifier Dieu, c'est prier 4 fois, 15 fois. On va. Dans le bain, on va retenir les barres aux ongles, on va rompre. Ça c'est la prière, partagez. Partagez, vous allez écouter les audios, les mamans de Bichi Congo. Ils ont dit on quitte. L'enfant l'a fait, il avait raison, il a toujours raison. Le groupe de la vérité a toujours raison. Maman lui dit qu'elle a raison. Tangui fwe ni bala mungolo fumwe. Tangui te la maneta mungolo fumwe. Tangui pina mane fumwe mungolo fumwe. Kibondo kina kibonzambe. Les musiques religieuses de Lingala, ils trichent. Tomo Zong et la mettons, Motomota Yembaga, Motomota Yembaga maintenant, Abel et la Bakoko Naye, Motomoto maintenant, Ayeman, Nandenge ya, Yaki, Nzinga ya Mama, ya Boteo, Nzinga ya Tate, ya Boteo, parce qu'on est en contact direct. Nganazo Yeman, Nzinga ya Mama, Nangaï, c'est-à-dire qu'on doit racine, Nangaba, ou Tarotte, Nzinga ya Papa Nangaï. Nzembo lobinini. Papa na likolo yoka losambo bana nayo. Losambo na biso yoka yango.
Boyoka ba audio. Les Congolais ont pleuré, les gens sont venus narguer le peuple. Les affamés sont venus narguer les étudiants, nos papas, nos mamans retraités. Voilà pourquoi ici, chers amis, chers compatriotes, nous allons commencer. Nous allons commencer. Parce que j'ai commencé en retard, en temps réel, il fallait que je commence depuis 21h. J'aimerais vous dire déjà mes excuses, parce que vous savez, comme vous pouvez le constater, j'ai même eu à faire un direct en plein. J'étais obligé de sortir du ROL pour ne pas déranger, la tranquillité des paisibles français, ok, dans le ROL, pour faire ce petit direct que j'ai eu à faire pour reprendre à ce charlatan. On va pas y repartir là-bas. Et ça fait ce que j'étais dans les courses. J'étais allé voir, parce que j'ai pris quelques jours pour préparer le procès qui oppose le peuple congolais, parce que je suis la voix des sans-voix, la voix de ce peuple congolais, le représentant légal de la jeunesse congolaise, leur leader, Babou Yabalinka. Je suis le fils de la promesse, moi, na oba koko banzima, oba mama, na ba papa na diaspora banzima. Donc, fallait que j'aille voir les compatriotes qui nous ont appelés, qui m'ont appelé pour donner 100 francs, 10 francs, 30 francs, 20 euros pour pouvoir contribuer pour les avocats. Donc d'où vous voyez que avec l'heure que je suis rentré, je ne suis même pas changé. J'ai fait ma petite prière là où je vous ai mis, je vous ai écrit pour vous dire que non, je serai en direct dans 30 minutes. Parce que nous, on fait pas ce direct, on fait pas des directs, on vient comme ça là, non, non. Il faut demander aux aïeux, il faut demander à Dieu. Il faut dire merci à déjà à Dieu le Tout-Puissant d'avoir, d'être avec nous toute la journée. On était sortis, on est rentrés dans le transport. Il pouvait avoir, désolé chers amis, je vais juste mettre le truc en charge. Donc il fallait bien dire Dieu merci, il fallait prier, il fallait rendre grâce à l'Éternel, au Dieu de nos aïeux, au Dieu de nos ancêtres, Nzambia Ponkwatolendo, du souffle de vie, de sa grâce, de sa protection de toute la journée. Parce que on rentre aussi dans le bus, vous pouvez faire un accident, tu peux aussi laisser ta vie, il peut t'arriver beaucoup de choses. Voilà, donc voilà pourquoi on a eu un petit peu ce retard pour commencer à 22h. Déjà là, je vous dis merci et je dis encore, je rends grâce aussi à nos aïeux, à nos génies qui sont toujours là, à ceux-là qui ont eu la même vocation que moi, Faye, au prénom de André Basbaye. Donc je leur dis merci, je dis merci également à toutes les mamans et à tous ces papas qui nous mettent dans des prières. Donc je commence déjà à saluer peut-être ou à dire merci à André Guénois Amachua, Simon Kimbango, Cardinal Emi Biaenda, Auguste Ronge Koukou, Fulbert Yulu, Chaka Zulu, Tata Bitumba André, Bouetambongo, Maman Ngunga, Maman Mouilou Marie, Maman Kim Pavita, Maman Pangala, Maman Wandombe, Marc Mapingu, Martin Luther King, Georges Passy, la Ciséphiré, la Reine Garfourou, Jaco Pango, Thomas Sankara, Tata Kiwini Michel, Jaco Pango,
Maman Ngunga, Maman Mouilou Marie, Maman Kim Pavita, Maman Pangala, Maman Wandombe, Martin Luther King, Maman... C'est-à-dire, tous nos aïeux, même ceux-là que j'ai oubliés, Kakan Senga, ça c'est mes aïeux, Kakan Mokua, Kakan Pamba, Kakan Zomoshi, ça c'est mes aïeux, et tous ceux-là qui m'accompagnent, qui ont eu le même combat, les Marien Wabi, les Ange Diawara, les Beyoncé, les Mobutu, tout cela qui me donne encore la force et le courage de continuer dans ce combat, de ne pas mettre mes genoux par terre. Merci, bonsoir, bonsoir Lambert Tisson. Donc je dis merci à tout cela et je dis merci encore à vous, chers compatriotes. J'ai dit encore merci à vous qui croyez en nous. J'ai dit encore merci à toutes ces personnes qui ont contribué ou qui n'ont pas contribué. En trois jours, c'est-à-dire, trois jours depuis que j'ai commencé ma vidéo, on a pu avoir pratiquement l'argent, la totalité. Il nous manque juste 250 euros, ok, pour les avocats, pour faire le geste à nos avocats qui vont me défendre le 3 janvier. Et j'aimerais dire à ceux qui n'ont pas donné, ne soyez pas tristes. Et je sais, il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de papas qui sont ici, qui sont à la retraite, qui ont quitté le pays déjà. Ils n'étaient pas obligés de quitter le pays, mais avec les conditions du pays, ça fait ce qu'ils viennent à l'étranger et avec le peu qu'ils gagnent de leur retraite. Moi, ce que je vous dis, on a besoin de vos conseils, on a besoin de vos encouragements. Que vous donnez, que vous ne donnez pas, c'est déjà beaucoup ce que vous faites. Le fait de nous conseiller, le fait d'être toujours là, à dire non, Faye, là, tu n'avais pas bien parlé. Là, Faye, quand tu parleras prochainement, essaie de changer ton langage. C'est tout ce que nous cherchons. Et les mamans et les papas qui nous mettent dans des prières, je vous dis encore merci. Aujourd'hui, même moi-même, je ne m'attendais pas. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'appeler. 10 euros, 20 euros, 5 euros, 30 euros, 300 euros, 350, 200. Et on a pu avoir l'argent des avocats. Il manque 250 euros en 3 jours. C'est formidable. Je vous dis encore merci. Je ne sais pas comment vous remercier parce qu'il faudrait le savoir. Kounye Michina, bonsoir. Il faudrait le savoir, chers amis, chers compatriotes, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas l'argent du contribuable pour se dire que non, on va se mettre les avocats derrière nous comme ils ont pu le faire avec le petit Bokilo. Quand je l'avais tapé, quand je l'avais correctionné, ils ont mis deux avocats qui a coûté 12 000 euros à l'État congolais. Vous imaginez? 12 000 euros. Nous, on n'a pas des avocats. Nous n'avons pas l'argent du contribuable que nous pourrons mettre en jeu. C'est juste que les contributions de gauche à droite qui permet à ce que, avec le peu que nous avons, le peu que vous nous donnez, qu'on arrive à tenir bon. Et avec nous-mêmes déjà, parce que il faudrait le dire, même sur l'affaire de l'agression, la plainte est là encore. Ok, la plainte est là, ça court. C'est-à-dire, comme on vous avait dit, non, on ne se cache pas. Le but, c'est de les pousser et de les envoyer en prison. Et d'autres, de les pousser et qu'ils soient reconduits à la frontière, qu'on les retire des papiers. Il n'y a pas à faire, il n'y a pas un débat, on n'est pas là à tourner. Ils le savent, s'ils vont tomber là, ils tombent. Point barre, il n'y a pas un piège. Le piège, c'est ça, on doit les retirer. Ceux qu'on doit retirer des papiers, on doit les retirer des papiers. Ceux qui doivent aller en prison, ils doivent aller en prison. Comme on a fait avec Rostel, Matou Samuel, papa, son chéri, Bokassa. Il est tombé dans les pièges en montrant, en grandissant l'argent. Il est tombé dans les pièges en voulant prendre sous ses épaules le corps de Guy Brice Parfait collé là. Il a voulu montrer qu'il gère le pouvoir de Brazzaville. C'est lui le bébé noir de la place de Paris. Nous, on a pris tous les éléments qu'il fallait. On a ramené aux institutions, aux autorités compétentes pour mettre la pression jusqu'au moment qu'on l'a chassé de la maison. Ce n'est pas un secret. C'est ça qui s'est passé et c'est ça qui est en train de continuer jusqu'à présent pour les étouffer judiciairement, pour les envoyer en prison. Voilà. Donc, ça, ce n'était qu'une introduction. Nous avons, vite fait, nous avons trois sujets. Sur les trois sujets, je vous ai mis ici le groupe Bishikongo en exposition. Donc, c'est en train de se déchaîner là-bas. Vous allez écouter les audios de vous-même. Les mamans de Bishikongo ont compris.
C'est de la même façon, le groupe La Vérité, rien que La Vérité que vous voyez, ils étaient dans les Bichis Congo. Quand ils ont compris que ceux qui étaient devant, qui représentaient les Bichis Congo, ce n'était que des escrocs, ce n'était que des bandits, ce n'était que des infiltrés, ce n'était que des gens que le pouvoir de Brazzaville utilisait, les mamans et les papas, comme le président Elie Moussampa, ont quitté, sont allés créer le groupe La Vérité, rien que La Vérité. Nous, on était déjà dans le combat, dans l'activisme. On était les activistes. Donc nous, on était pour nous des gens qui n'ont pas de clan. On partait. On n'avait pas d'équipe, pas disons les collectifs. Donc nous, on partait. Bref. Donc aujourd'hui, les mamans de Bichis Congo, vous allez écouter de vous-même les audios. Ils en ont marre. Elles en ont marre. Elles ont même cité le nom de Faye pour dire que tout ce que Faye dit, c'est vrai. Vous allez écouter de vous-même. Bref. Deuxièmement. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, nous allons parler des enfants Kolela, ok? Certains des enfants Kolela, les traites des enfants Kolela qui sont là, derrière Sassou Nguesso, qui aujourd'hui, en train de créer encore, de manigancer encore des choses pour écarter Maman Lydie Kolela, pour éloigner Maman Lydie Kolela. Vous savez, nous autres là, nous, depuis Tokangama Liboke, Toza Liboke, on continue notre route. Nous on continue notre route parce qu'on sait là où nous on les attend, c'est les résultats des autopsies, les résultats de l'assassinat du président Guy Brice Parfait Kolela. Donc Maman Lydie Kolela, Azawana, Faya Boudé, t'es Maman Lydie Kolela, Azawana, Maman Lydie Aboudé, t'es Azawana, t'es Nasuka. Eh, biso depuis ton kanga ma bongo liboke na biso to banda, tozo kenena bango kaka mayele. Donc ça, je vais en parler parce que j'ai. Vous voyez, ma famille Kolela, na loba na bino na mwana Nsuka. Na simba famille wana, depuis Kolela va koufa, na titanga koufi, c'est moi qui gère la famille. C'est moi qui décide aussi. Bon, t'as boula. Donc, famille yo, ça se déjà va boula yo. Moi, je suis en train de essayer un peu de le réunir, mais de réunir des vrais. Ceux qui sont dans la vérité. Ceux qui veulent le bien. Voilà. Parce que les faux enfants Bernard, les enfants qui sont avec Sassou là, ce sont ceux-là qui sont avec, les autres ninjas de l'ambassade. Voilà. Moi, je suis Manan Tsuka des Kolela. C'est moi qui gère. Voilà pourquoi les aînés là, les Théodorine et les Landry et Nzouzi, ils avaient fait leur camp pour nuire à Faye. Voilà pourquoi nous avons d'ailleurs le procès. Donc là, ils veulent encore éloigner, écarter Lydie Kolela. Parce que Lydie Kolela aussi ne veut pas lâcher l'équipe La Vérité, rien que La Vérité. Elle ne veut pas lâcher. Donc nous aussi, on ne peut pas la lâcher. Partout, quand elle demandera le soutien, on est avec elle. Ouais, voilà. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Nous allons développer là-dessus. Et le dernier sujet, on vous demande de venir nombreux. Le 3 janvier, c'est-à-dire mardi. Mardi de la semaine prochaine. À 9h, au tribunal de Pontoise, on va affronter Théodorine Kolela, Nzouzi Kolela, qui s'appelle Jan Kolela. On va les affronter. Moi, t'en as ici. Pour éviter Kosu. On va les affronter, chers amis. On va les affronter. Boutouba Bouissa, bien. Voilà. J'ai confiance à ce peuple. J'ai confiance à la diaspora. J'ai confiance aux Congolais. Boutouba Bouissa. Bien, sur les 123 plaintes, motomo akoi sangate banda boki lo tieru munga la barutu na ba buisa bien moko. Ça c'est la toute dernière. Et elle croit il va se faire des poches bois à bois. Ils vont pas gagner ça. Il y aura des amendes à payer, on va payer les amendes. Mais bois à bois, nje kani kuenda ku bolokoko. Kani kuenda ku bolokoko. Donc venez nombreux, vous-même vous allez vivre ça en face. Voilà, on a besoin maintenant de soutien physique. Venez nombreux. Mardi, donc là je commence déjà, je prends le dernier sujet. Après on va rentrer dans le sujet chaud. Mardi, à 9h, tous et toutes, tribunal de Pontoise. Voilà. Voilà, ça sera en direct. Ça sera en direct. Ça c'est le premier sujet. On quitte. Donc venez nombreux, d'où. J'ai dit merci à tous ceux-là qui ont contribué.
Il nous manque encore 250. Ceux qui peuvent donner, donner seulement. Totiaka, non? Ça va nous faire du bien. Merci. Voilà. Si les traites aussi vont venir, donc à venir, tu peux pousser, bah, on te tient avant la bolo, quoi. Bah, traite, soubouni, boyaka. Boyaka, bah, au mieux, pèse, bino, mon con. Tu peux pousser, bino, la bolo, quoi. Et ça, là, n'a 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 bobinité. Non. Ça va se passer comme ça. Ah, déjà, vous voyez, dans le dossier, belé, venez. Les traites, venez de vous-même. De ligoter, bino. Tu peux s'abîner dans ma barre à la police. Ton ligoté bino qui est pas bon direct. Venez nombreux, les traites. Venez. Bon, ça, là, moi, j'ai un clic, libre au bon banan. Venez. Venez. Oui, puis ajoutez ton zolo banan, bino, venez. Voilà. Les mamans, comme je vous ai toujours dit, à la République, ils vous ont dit, ah non, il n'y aura pas la manifestation. Je vous ai dit, il devait avoir la manifestation. Il y a eu la manifestation. Je suis arrivé. Bon, il y avait peut-être 5 personnes, 5 de mes petits. Ben, les qui va se là, qui va accompagner. Je suis venu là. En zère. Ah, j'ai fait la vidéo. Dans lié ma case, on a bois qui. Ben, quoi qu'on va s'épeler. Venez nombreux, il y aura là. Ben, tu vas là, ne vous en faites pas. Voilà. Ils ont déjà beaucoup de dossiers. S'ils veulent rajouter des dossiers, les traites, venez rajouter vos dossiers. Venez rajouter les dossiers. Bref, on va prendre le deuxième sujet. La famille Colella. La famille Colella. Les Colella. Les Colella. On va prendre les Colella. Parce que le dernier sujet, les bichis, comment ils se déchirent, je vais vous mettre les audios, vous allez écouter. Aurore Mas, bonsoir. Bonsoir, grande soeur JV de gloire. De la Ngo, Vengo Yoyo, depuis le Canada. Ngo Yango, la soeur Joseline, depuis le Canada. Donc, la, kounyenge, ne kouyiri. On récupère d'abord les Colella. Là, les Colella. Les Colella veulent encore éloigner Lydie Colella. Tout simplement. Il y a une fête de bonne année. D'ailleurs, bah, transformant. Il y a fête à bonne année. Hein. Il y a fête à bonne année. Ça demande à faire une réconciliation des Colella. Les Colella veulent se réconcilier. Veulent se réconcilier contre qui? Pourquoi? Il y a quoi comme conflit? Parce que pour se réconcilier, ils doivent avoir un conflit. Vrai ou faux, chers amis, chers compatriotes ici, vous qui me suivez. Pour se réconcilier, ils doivent avoir un conflit. Comme pour avoir un dialogue, ils doivent avoir un problème. Comme Denis Sassou Nguesso veut camoufler, il veut créer son faux dialogue à lui. Parce que coûte que coûte, qu'il monte, qu'il descend, on l'a demandé. Et je vous demande, suivez très attentivement. Depuis que je vous dis ici que la France a exigé, merci Michel Nsana, la France, depuis que je vous avais dit, la France avait exigé à Denis Sassou Nguesso un vrai dialogue. Les opposants sont fatigués du faux dialogue qu'il a toujours organisé. On lui demandait le vrai dialogue. Vous allez écouter Jean-Dominique Okemba à l'ambassade du Congo. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'Union africaine demande. C'est pas l'Union africaine. Vous le savez tous et toutes ici, l'Union africaine est dirigée par la France. Je veux repartir un peu sur cette vidéo pour que vous compreniez. Voilà pourquoi je vous dis, je suis leur leader. Je suis le leader de cette jeunesse. Que vous en voulez ou pas. Je suis le fils de la promesse. Que vous en voulez ou pas. Nazali banga obo tout la bête la kalibankou. Que vous en voulez ou pas. Je suis celui qui va conduire les autres en prison. Je suis celui qui va ramener ce peuple aussi, cette diaspora aussi. Pour qu'on... Je vais contribuer à ce qu'on arrive à un point donné. Voilà. Bolinga, bolingate, comme je vous dis toujours, nos amis de la France nous donnent des informations. Voilà. Nos amis de l'extérieur nous donnent des informations. Les dessus du pouvoir de Brazzaville nous donnent des informations. Voilà. Et alors, bolinga, vous comprenez que ça, qu'on a 123 plaintes au bino tout au tiabambong, au pouvoir de tiabambong. Faire monter, faire beaucoup coco et s'arrêter. Voilà. Parce que ça fait un bateau, on va n'y s'arrêter. On va n'y s'arrêter, moi, on a beaucoup été.
La France, vous pouvez dire tout de la France. Mais ils savent que ces gens-là sont dans la vérité. Si on essaie de les étouffer tous et toutes, mais il n'y aura personne qui pourra mettre la pression sur ce régime-là. Que vous en voulez ou pas, que les gens se disent que non, ça permet juste à faire du chantage à Sassou ou pas, mais au moins cette partie de la liberté d'expression, on nous les accorde. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, comme je vous avais dit, ils avaient fait une bêtise de me mettre sur fichier S. Ce fichier-là, j'avais dit, je vais transformer ce fichier à faire, c'est-à-dire ramener les informations du BAPOP au niveau international, au niveau des autorités françaises. Parce qu'à chaque fois quand ils m'écoutent, à chaque fois quand ils sont derrière moi, ils doivent faire le rapport. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que nous pensons? Donc ils doivent faire le rapport et les chefs vont savoir ce que le peuple pense. Et j'en profitais de ce fichier-là, bien qu'ils ont enlevé, à faire transmettre le message du bas peuple. Et aujourd'hui, ils comprennent. On va repartir sur le truc de Jean-Dominique Okemba. Vous allez réécouter quand il parle de l'Union africaine. Ce n'est pas l'Union africaine. Jusque-là, on leur tient comme ça. On leur a dit, il faut dialoguer. Que vous en voulez ou pas. Voilà pourquoi il veut transformer ce dialogue en créant des gens ici et là. Christy Brittel, bonsoir. Qui peut me trouver le truc de Jean-Dominique Okemba? On va chercher le discours de Jean-Dominique Okemba. Attendez. Vous allez écouter ici. Je vous ai dit ici, là, quand je parle, ils ont peur. Ils ont peur. D'où je disais au peuple congolais, d'où je disais aux leaders politiques, laissez Gavela comme ça. Laissez de coincer Gavela. Vous avez vu? Jusqu'au moment où on a suspendu la chaîne Vox TV. Mais qui a créé cela? Qui a la base de ça? N'est-ce pas Destin Gavé? Et je salue ici un grand journaliste de Arsène Séverin qui a compris, il a dit, je ne veux pas l'humiliation. Je me retire. Chapeau à toi. Et les papas l'ont voulu faire quoi, chers amis, chers compatriotes? Des faux opposants et fausses opposantes. Ils ont voulu étouffer Destin Gavé. Mais ça nous a ramené à un point donné. Là où on a compris que non. La liberté d'expression, les médias sont opprimés au Congo-Brazzaville. N'est-ce pas? Où est-ce que je peux trouver le discours de Jean-Dominique Okemba à l'ambassade? On va écouter un peu. Vous avez vu, regardez bien le visage de monsieur l'ambassadeur. Monaka Chopa, bonsoir. Regardez bien son visage de l'ambassadeur. Il n'était pas content. C'est-à-dire, on l'a dit, t'as bouffé avec nous, t'as volé avec nous, nous mourons ensemble, nous vivons ensemble. S'il faut couler, on va couler tous ensemble. On l'a dit, tu vas te mettre au pas. Pourquoi? Parce que la diaspora a critiqué. Parce que la diaspora dit, Rodolphe Adada avait vu loin, il ne voulait pas se salir. Ok, il m'a dit, tiens, donc moi je vais me salir. Non. On va se mouiller tous ensemble. Il n'était pas content, l'ambassadeur. Il n'était pas content. On va chercher un peu la vidéo là, vite fait. Qui peut me trouver la vidéo à l'ambassade au Kimba? Citoyenne à Paris du vice-amiral Jean-Dominique Okemba, secrétaire général du Conseil national de sécurité non. Avec le collectif des Congolais dans le 6e arrondissement de Paris. Ben oui, c'est ça, lors de passeport. Je cherche là où Dominique Okemba parlait, au fait. Qui peut me trouver ça et m'envoyer ça sur WhatsApp, s'il vous plaît? Jean-Dominique Okemba parlait de l'Union africaine. Non, c'est pas l'Union africaine. Ils ont masqué cela. On leur demande le vrai dialogue. Donc, revenons sur les Koléla. Bref, on était sur les Koléla. Donc, les Koléla veulent faire une réconciliation. Réconciliation pourquoi? Au fait, ils veulent fêter ensemble une façon de se réconcilier. Mais se réconcilier pourquoi?
Il y a quoi comme conflit entre les collés là? Et ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont invité tout le monde et ils ont écarté Lydie Collé là. Attendez ici. Ils ont écarté Lydie Collé là. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moment venu, il faut l'isoler sur l'affaire des résultats. Elle va se sentir tellement seule. Elle va pouvoir céder. C'est ça qui est la stratégie. Et d'ailleurs, les gens qui sont en train d'organiser ça, ce sont des gens qui sont avec le pouvoir. Ce sont des gens qui n'ont pas voulu que les enfants collés là, Guibris, soient à l'enterrement de leur père. Maintenant là, ils veulent réconcilier qui? La fille à Londres, ses soeurs, je ne sais pas, ou son frère en Bulgarie, ou en, je ne sais pas, c'est quoi, dans d'autres pays. Pourquoi cette réconciliation? Ils vont empoisonner peut-être les autres là-bas. Puisque Mambo va y Kanyuana. S'ils ont empoisonné leur propre frère, qui est Guibris Parfait Collé là, qui ont ouvert la porte, ils ont ouvert la porte pour qu'on empoisonne leur frère. Ils ont précipité même à enterrer leur propre frère pour avoir des miettes. Maintenant, les gens qui sont dans la vérité, les gens qui ont lutté pendant 10 mois, vous allez dans leur fête qu'ils veulent organiser pour la réconciliation, ils vont vous empoisonner. Moi, j'ai dit chez le patriarche, pas question, mon père, tu es un vétéran, tu vas aller là-bas, peut-être demain, on ne va plus te retrouver. J'ai dit à ceux-là qui étaient au camp de la vérité avec maman Lydie Collé là, attention, Mitalibino, vous allez là-bas, peut-être demain, vous allez repartir. Maboumé Banzo Swabino, il y a des problèmes. Pourquoi ils ont demandé cette réconciliation maintenant? Au moment que, au lieu même de dire que, ok, Lydie, qu'est-ce que tu en penses? Vous en êtes où? Les Vital, ou les autres, vous en êtes où? Ou je ne sais pas comment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Asseyons-nous, parlons déjà pour les résultats. Sur le juge d'instruction. Non, non, non. Pendant les fêtes, on va faire la réconciliation. Tous les collés là. Et ils veulent écarter Lydie Collé là. Moi, j'ai eu l'information, j'ai commencé à appeler. Famille Nabino na Kota, on a un con à Loma. Vous avez tué notre président. La route à famille Nabino mal à l'aise. Na mwana ntuka Loma na nko. Allô? Allô? Oui, tonton Faye. Bonsoir, maman Lydie. Bonsoir. Ça Bonsoir. va? Oui, ça va. Mais tu es au courant que. Tu es au courant que. Oh, tu es au courant que. Y a une réconciliation familiale, hein? Ah. On est en direct, ah, Oh. désolé, je te dis, on est en Ah bon? direct. Ah Ouais, bon? ouais. Tu fais en direct? Ouais. La petite sacoche va direct, Anna Faye. Pourquoi tu fais ça? Hein? Mais Kawa, Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Tu sais tout ce que tu dis, après on croit que c'est moi, hein? Mais comment t'es au courant de tout ça? Qui te dit tout ça? Mais je reste pas longtemps. Non, mais nga Attends. Ta on a bandana na Nathalie ozalagate nga na bandana na Nathalie Tati depuis Oui. na mboka ozalagate. Non, ça c'est vrai, je Ah, reconnais. le Je jour reconnais. quand on a voulu te faire rentrer dans notre réunion, moi j'ai dit tu ne rentreras pas même si tu es la Oui, sœur à coller là. je Ah, j'ai dit reconnais. on doit préparer une réunion, on va dire aux autres que non, on va recevoir maman Lydie coller là, mais que tu viennes comme ça parce que tu es l'une des collées là, j'ai dit non. Non, t'as Ben voilà raison, maman. je sais, oui, je reconnais. Ben voilà. Mais cette histoire de réconciliation, j'ai ouï dire. Moi, évidemment, personne ne me l'a dit, comme d'hab, bon, j'y vais, apparemment. Mais t'es au courant que toute la famille est au courant, non? T'es au courant ou pas? Je suis très mal à l'aise avec ça. Ouais, je comprends. Mais pour Oui, moi, voilà pourquoi j'ai fait la vidéo. Bon, bien que je t'ai pas appelé, désolé. Ils veulent t'éloigner, hein. Le but, c'est vraiment de t'éloigner. Je ne sais de pas. m'isoler. Oui, tout à fait, D'isoler, de tout à fait. t'éloigner parce qu'ils Oui, savent que non, oui. jusque-là, tu es celle qui est quand même en train d'emmener un peu le jeu sur les trucs des juges d'instruction. Mais c'est dommage parce que c'est notre frère à tous, même si Parfait appartient à tous les Congolais, mais c'est notre frère, hein, c'est à tous, on ne devrait pas. Bon, après, moi, cette histoire de réconciliation sous forme de réveillon, nous sommes toujours en deuil, je crois. Hein. Chez nous, les Bantous, la pierre tombale de Parfait n'est pas faite. Hein. Donc, il aurait été plus opportun
de faire sa pierre tombale, par exemple. Mais on a besoin de la rangote, besoin de la rangote, besoin de la même Non, pas. personne, non plus. Oui, mais il faut aussi comprendre, je ne peux pas être sur tous les fronts. Mais maman, j'ai Tu une comprends? question. Oui, maman, je comprends. Mais j'ai une question, maman. Mais comment se fait-il que vous allez faire une réconciliation alors que toi, tu appartiens aussi à la diaspora, au peuple congolais? Dès lors, nous, on nous a porté plainte, d'accord? Parce qu'on vous a soutenu. On va aller au procès avec tes soeurs. Mais ils veulent réconcilier. Ils ne parlent même pas de ça. C'est comment? Comme je ne suis pas dans le secret des dieux, nous allons dire comme ça, j'ai toujours du mal de parler de choses que je ne maîtrise pas. Cette réconciliation, j'ai entendu des bruits. D'accord, et j'ai dit, mais vous faites une réconciliation et je ne suis même pas au courant. Et oh non, on va t'appeler. Je dis, mais non, on ne peut pas m'appeler, c'est pas possible, on n'appellera pas. Finalement, on ne m'a pas appelé. Donc après, je me suis dit, mais la pierre tombale de parfait quand même, c'était, on aurait dû faire ta pierre tombale et après qu'ils aillent faire une pseudo-réconciliation, je peux comprendre. Parce que je ne vois pas la sincérité de cette réconciliation. Je les connaissant, pour les avoir pratiqués depuis toutes ces décennies, il n'y a aucune sincérité là-dessus, quoi. Mais bon, après, tout le monde est majeur, hein, et vacciné. Donc moi, je reste dans mon coin et j'observe. Je continue à être concentré pour le combat de la vérité, de la mort de notre frère. C'est ça qui importe, hein, pour le moment. Le reste, c'est poudre de perlimpinpin. Mais par contre, moi, j'ai une question de savoir. Enfin, il y a ma question est belle. Là, bah, direct, Ouais, là, voilà, tu m'as piégé. Point juge d'instruction, bon, soukyo. Tous ceux qui étaient, ils ont continué. Et sous Kassiko, tu sais D'accord. très bien comment les procédures sont longues. Je ne peux pas laisser, hein. D'accord. D'ailleurs, il y a 2 jours, parfait est venu me parler pour me dire de tenir, de foncer, d'y Très bien. aller. Non, c'est le. Nous sommes arrivés à une étape où on ne peut pas violer le secret d'instruction. C'est très dangereux. Nous sommes là, c'est quel élan comme encore une photo qui est tout autant bola sur Bamaki. Hein? Vraiment, c'est. Mais je sais qu'il arrivera un moment où j'expliquerai, je ferai le déroulé de tout ce qui se passe. Mais Mais il faut vraiment. est-ce que les enfants, Pardon. vous avez, parce que ce besoin que ça l'a fait à vous, il y a bonne année, la forme à réconciliation. Est-ce que vous avez pensé pour la fête de Noël pour les enfants collés là, de Guy? Est-ce que vous avez organisé un truc pour ces enfants-là? Parce que besoin vous voulez la cause, Non, ça la non, réconciliation. non, 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 non. Nous sommes dans une famille quand même qui est assez égoïste, hein. Nous sommes assez égoïstes, hein. Nous sommes nombrilistes, voilà. Donc, non, non, rien. C'est malheureux, hein? Besoin de sa Mais avant réconciliation. de faire la pierre tombale de parfait, ça c'est lui manquer de respect, ça injure. Hein, c'est honteux, la pierre tombale de parfait. Wana il faut l'issoussou. Yo ou bien gâteau monté au créneau pour le baba salayango. Bon, on va porter sous plainte. Vraiment. Mais en tout cas, pour la plainte, je profite. Hein, vraiment, c'est comme je t'ai dit. Hein, Grand V et moi, on n'est pas dans ces histoires-là. Hein, vraiment, c'est quelque chose qui. Ça me fait honte à un niveau. Vraiment, pardon. Hein, c'est honteux. Après tout ce que tu as fait pour parfait, je sais pas. Je sais pas, hein. Vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux. Mais l'être humain est comme ça, donc encore une fois, pardon. Mais comme tu es du côté de la vérité, tu es un patriote, je sais que ça va bien se passer pour toi, quoi. Et après moi, après ton direct, on va encore s'en prendre à moi. Voilà, Faye, merci. Ah ben, vous Si je savez, suis. maman, c'est vrai, mais moi, j'ai pas de choix. J'ai eu une information, je peux pas laisser ça comme ça. Le peuple doit savoir. Bon, voilà quoi. Bon, Parce Sporté que Kaka, au c'est. Sporta, dis-moi, Sporté Kaka, n'a que bon. Au Sporta, dis-moi, y'a beaucoup Finga, bah Finga, bah caricatura, yo, bah Finga, yo, bah Finga, mon Bali, bah Menace. Finga, na banna, donc. Ma côté Linzo, c'est ça, hein, qu'on dit. Voilà, donc côté là, vous nous autres, donc nous maman, Kumbana, nous on va continuer à te soutenir et nous demandons Ah, aussi à c'est la gentil, famille, hein? voilà, on Oui, demande à c'est la famille gentil. d'être prudent parce que sur cette réconciliation des hypocrites, c'est très dangereux.
Parce que les autres, là, ils sont prêts avec l'argent, ils peuvent faire tout. Prêts pour faire tout avec l'argent. Donc, toi, de ton côté, reste prudente. Donc, voilà. Toi-même, tu sais que le Je combat suis n'est pas dans mon coin. facile. Voilà. J'ai toujours été dans mon coin, seul. Moi, je suis dans mon coin. Très bien. Je suis bien comme ça. Voilà. Vous êtes devenue ma famille. Je suis dans mon coin. Ok. Je préfère regarder de loin. Comme je t'ai dit, je ne peux pas porter tous les combats de la pierre tombale, le Yuki qui se délite là-bas. Donc, non, écoute. Il faut, c'est la vérité autour de sa mort qui importe, quoi. Merci Le maman, ne reste, lâche ça va se pas. régler. On vous soutient avec les enfants, comme j'avais dit, Mokolo. Bino, Nazo, le bango, en direct, direct. Mokolo, Yoko, Ninganaka, Boué. Yébango, Zana, direct spécial. À partir à 21h, le la journal à le Congo. Bah, bête, ça, on a bah, rediffusé à Angolissous. Donc, voilà. Les gens n'attendent que ça, hein, de toute façon. Mais en tout cas, merci pour tout ce que tu as fait Y a et pas que de tu souci. continues à faire pour le pays, pour parfait. Vraiment, merci, hein, Y a Faye. pas de souci. On Faut est ensemble. continuer, hein. Ok. Merci beaucoup, je t'embrasse très Allez, fort. bisous, Au revoir. au revoir. Bisous, au revoir. Bon, on a payé. Tata Boukono, bonsoir. On a payé Toleki. Je vais vous mettre les audios ici. Parce que j'ai dit, on va pas durer. Vous avez plus de 70, mais c'est bon. On va pas durer. Vous avez entendu, hein? Donc voilà. Binomo qui confirmation réconciliation yaiki réconciliation yaiki Gaël Mouk, bonsoir réconciliation yaiki voilà tout ça là c'est une façon en fait de loin c'est-à-dire d'éloigner que maman lui dit excusez-moi que maman lui dit sois seul en fait quand tu es seul à partir de là on t'étouffe bah Kangyo Kingo Bigi bah Bukyo. C'est comme ça le PCT fonctionne. Ils vont mettre les gens pour diffamer sur toi, t'attaquer, t'attaquer, t'attaquer. À un moment, ils vont vouloir mettre les gens tout autour qui seront contre toi, qui vont commencer à te salir. Et puis tu seras comme un loup isolé. Bah, il y en a gana fini. Bah, fini, moto. Donc j'ai dit à la famille Kolela, vous qui étiez dans la vérité avec nous, vous qui avez soutenu les enfants. N'allez pas là-bas manger avec ces gens-là. Déjà, la fête de Noël est passée. Ils auraient dû déjà, maman Anne, bonsoir, maman Bikindou, bonsoir. Ils auraient dû déjà commencer déjà à appeler les enfants, à demander même les excuses aux enfants parce qu'ils ont, ils ont bloqué, ils ont fait ce que les enfants n'enterrent pas leur père. Ça, déjà, ils devaient déjà commencer par là. Mais comme ils sont venus avec une mission, voilà là où ils veulent en venir encore. Réconciliation. Ni côté au moins la poussière n'habilia au lit au comme il est boum et comme ceux qui veulent aller allez-y hein. Ne vous en faites pas hein. Nous on est là on va pas donner les 2-3 euros. La toute dernière plainte que j'ai eue pour les coller là c'est ça c'est fini il n'y en aura plus il n'y en aura plus et je l'ai pas fait pour les coller là j'ai fait ça pour Guy Brice Parfait coller là parce que lui il a donné sa vie pour nous bref. Je vais vous mettre ici les audios de Bichi Congo. Les mamans de Bichi Congo en colère. Les mamans de Bichi Congo, oh yeah! Les mamans de Bichi Congo commencent à comprendre soutien. Moi, j'ai eu un failleux à Zoyokan. À Zopé, Longonia. Ma maman, il y a Bichi Congo. Longonia, oh yeah! Merci aux mamans de Bichi Congo. Oh yeah, les mamans de Bichi Congo. Attendez, je vais vous mettre les audios, vous allez écouter. J'ai même la liste. Personne n'a le manabino, mon ami est là. Il n'y a pas un truc que vous allez faire dans cette diaspora que Faye ne pourra pas être au courant. Il n'y a pas. Même la liste, il y a cotisation. Nabino. Oh, regarde, on sait l'absence de Matalana. Ah oui! Bientôt, bah là-bas, le poule tout soumis, là, cadeau. Mais dans votre groupe de Bichi Congo, là, il y a eu des gens qui étaient à l'ambassade, qui ont reçu des 3 000 euros, qui ont reçu 3 000, 3 000 euros. D'autres ont acheté des salons de coiffure, d'autres ont donné des affaires. Donc, ils ne pouvaient pas enlever même 1 000 euros, 1 000 euros. Cotisation, il y a plus de 100 personnes. Même pas 1 000 euros. Bon, comme il y a 500 euros depuis pour Banda Kango. Donc, bah, même au Kimba Pesibino. Bah, pingre que vous êtes.
des pingres que vous êtes, vous n'avez pas pu enlever Atala. Bon, comme Bissot, nous sommes les représentants de Bichi Congo. Hein? L'ancité, bah, comme on a vu notre passion, on a appelé ça notre bagage. C'est-à-dire, Bissot va représenter Bichi Congo. Dominique Okemba va appeler ça 3 000 euros. Appelé ça Bissot, c'est combien d'euros? C'est combien de temps? Bon, on enlève 500 euros, 500 euros, on donne pour que vous donnez les dons dans le pool. Non, non, non. Non, non, non. Les mamans pétaient des câbles. Les mamans ont dit, tiens, ils ont dit, Faye a raison. Hein? Le fiston Faye a raison. Voilà pourquoi il vous dit ces quatre vérités et vous ne supportez pas. Et au vaudou, au vaudou, au vaudou, le cabri Yima Yimala, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait, au fait, il rajoute beaucoup de gens dans le groupe pour que Batouaba Zalaka contre Faye. Boyoka Ojo Binomoko. Ils ont fait Faye à lobby. Binomoko Boyoka. Ils ont la non. Faye Boga Teleke. Faye Boga Shiriki. J'ai la liste des Bichi Congo, Yabango Moko. Nous, en moins d'une semaine, les papas et les mamans vont bouger. Mboka Mobimbe bouger. Étrangers bouger. Même jusqu'au Sénégal, il y a eu une personne. Maman Olosako. Merci d'avoir cité comme bon noté. Bah maman et bamboka mi pa ya ba télé mi balobi mon autre fils, on va pas te laisser comme ça. On va donner. On va pas te laisser comme ça, Rana tu Rana, on va donner. Qu'on montre qu'on descend, on va donner. Mais eux, les Bichi Congo, ils ont eu l'argent de Jean-Dominique Okemba, même l'argent qu'on les a donné gratuitement, qu'ils n'ont même pas travaillé pour ça. L'argent que eux ils ont dormi. Voilà pourquoi ils sont là en train de crier, ils veulent protéger Jean-Dominique Okemba, protéger le pouvoir de Sassou. J'ai la liste, peut-être les gens ne vont pas croire. Mais dans la liste, 500 euros. Les mamans pétaient des câbles. Vous allez reconnaître les noms ici. Désolé, hein. Désolé. Ah ouais, la vérité. Chez nous, on dit la vérité. Voilà. Voilà la liste est là. Voilà leur liste. Ah, il y a ma vérité. Voilà leur liste est là. Des Bichi Congo. La liste est là. La liste, l'association Bichi Congo, total 535 euros. Wallace, 150 euros. Mantella, 50 euros. Gustavine, 50 euros. Kata Lucu, 50 euros. Kata Vadou. Ah, Tata Vadou, hein? Ah, oui, comme c'est Kata, désolé en tout cas. Tata Vadou. C'est-à-dire, même Ovadou. Ovadou qui a reçu les 2 000 euros, il donne 50 euros. Binoma, ma bombe, ma classe, Nous, hormis l'argent que les mamans ont contribué, les papas ont contribué pour les avocats qui vont me défendre là. Pour l'agression à Bobigny, on a eu 1 770 euros entre nous. Chacun de nous donnait 200 euros par personne. Il y a des gens qui ont donné 350 euros dans notre groupe. On est moins de 50. On n'est pas nombreux. De ceux-là qui aiment qu'on cite leur nom que je vais citer ici, là. Moins de 50 euros, 50 personnes. Des gens que je vais citer ici, là. Il faut que je les cite. Parce que les papas, là, et les mamans, là, c'est eux qui ont fait ce que Toko Matina Virtue Toko Milelo. Est-ce que vous comprenez? Les mamans et les papas de la vérité que je vais citer ici. Il y en a ceux que je ne vais pas citer. 1 770 euros pour la plainte. L'avocat demandait 3 600 euros. Les mamans, il y a eu des gens donnés 250, 300 euros. Sans compter que non, quand on se rend compte comme ça là, on dit que non, la personne qui nous a reçu, Nsinsa ni tout ça, car un tel est décédé. On tient ça ni tout ça, comme moi ma bonza. Ah, mon inga, tu es moi au talent, on a veillé. Simba, moi 20 euros. Boza, ma bogo, ma kasi, bino, bichi, Congo. Avec tous ceux-là qui étaient à l'ambassade, qui ont reçu les 3 000 euros, vous donnez 50 euros. Chez nous, je salue là le président de la vérité, rien que la vérité, Tata Eli. Je salue là, ça c'est le groupe La Vérité. Je salue là, Tata Pierre Lenoir. Je salue là, Tata Kekol, je salue la Tata Herman Mawuku, je salue la Tata Godé, je salue la Tata Bukono,
Je salue là l'oncle Brice Nzungu. Je salue là Tata Ardoz Massamba. Je salue là maman Géiane, double maman Géiane, je vous salue. Je salue la maman Céline, je salue la grande sœur d'Istelle, je salue la maman Edoxy, je salue la tata Boukone déjà, tata Oli depuis le Bénin, mon ami de depuis le Bénin, je te salue. Je salue là maman Thérèse. Je vous ai cité pas plus de 50. Ça, c'est les gens. Oh, Banzimato, bim, ça va combo na bango. Bah, maman, monsieur Toro, bim, ça va combo na bango. Pourquoi vous savez que Guy Brice Parfait Kolela, on a eu assassiné tout cela qui aidait Guy Brice Parfait Kolela financièrement. Bah, maman, vous êtes aux États-Unis, bah, Belgique, bah, Suisse, bah, Sénégal, bah, Congo, bah, Wapi, on va pas citer vos noms. Pour vous protéger, tout simplement. Bah, papa, on va pas citer vos noms. Nous, on fait les trucs dans les normes. À chaque fois, les gens qui envoient de l'argent, on a notre bureau, on a le groupe de bureau également. Je ne vais pas vous donner des stratégies parce que nous sommes à côté de nous. Même temps, on a dit à Nzambé dans la vidéo, nous pouvons nous faire langue directe. Ah, nous qui peut improviser direct, la même heure, nous avons. Bon, après, vous le côté, même Nzembo maintenant, on a mon même la bino, la Nzembo Nangaï, y a mon coco. Bino, puis maintenant, vous savez, Nzembo Nabino, coco, Nabino Toyoka. Au ligné, ton bimina direct. Donc là, on repart sur la liste des Bichikongo. Vous avez reçu des 3 000 euros. Les autres, on les achetait même des salons de coiffure. Les autres ont donné des projets, ils ont maintenant des associations au pays. Ils ont envoyé des t-shirts au pays. Kagamatalana ya Pamba. Vous n'avez pas le cœur pour ce peuple. Nous, on a donné nos poitrines pour le Congo. On est parti en prison pour le Congo et je n'ai pas monné ma peine de prison pour être sur la table de Jean-Dominique Okemba. Jamais et jamais je le ferai. Jamais. Avec tout ce que vous avez reçu. Chacun de vous pouvez donner, mais vous venez crier, petit yo faille, petit yo faille, petit yo. Mais donnez aussi l'argent qu'on puisse aider les enfants dans le pool. Vous avez fait vous avez fait la, au fait, votre association, Aurore Maz, bonsoir. Votre association est basée sur le nom des enfants du pool que vous bouffez l'argent à leur nom. Mais quand on vous donne l'argent, que ce soit l'argent du sang ou pas, enlevez un peu, donnez aussi à ces enfants-là, donnez aux mamans qui sont avec vous, que les mamans-là s'organisent pour pouvoir envoyer des dons dans le pôle. Non, 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 non. Diakwa, Diakwa. Comme les Isdom, vous va dire quoi? Et sacrifier votre peuple, sacrifier votre race, sacrifier votre département. Diakwa. La liste est là. La liste est là. Votre propre liste est là. Que on m'a envoyé. Votre propre liste est là. La liste de l'association Bichikongo. Voilà, ce sont 50 euros. Mantela, 50 euros. Gustavine, 50 euros. Tata Lou, Tata. Parce que le U, on l'a dit, c'est où? Loussou, 50 euros. Tata Ovadou. Le ngo de Oyo, le cabri de Oyo, 50 euros. Tata Fila, Beno Mkanga, vous avez ma boko, ma kaku. Tata Fila, donc filature, 50 euros. Maman Solange, 50 euros. Les mamans, ça se comprend. Tata Bonal, 30 euros. Maman Brunel, 30 euros. Qui encore? Tata Michel, 25 euros. Total, 335 euros. Plus 30 euros pour le billet de qui là? Pour le billet de notre frère, le ngo de qui de pour le Vous vous blaguez avec le peuple. Moi, je suis avec le peuple. Moins d'une semaine, 1750. Piam, 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 piam. Moins d'une semaine.
Moins d'une semaine. Enfin, on va payer tes avocats. On va faire le symbole. On va les acheter le jus. Pia, 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 les autres, c'est déjà en ligne. Bah, mis sous l'objet par routine. Coupez-nous. Avec les 3 000 euros qu'on vous a donnés, participation dans des réunions, vous avez 150 euros, mais il y a des gens qui ont donné 25 euros. Moi, ma bonne magasin, Bino. Moi, je vais te dire, Bino. Ma bonne magasin. Il y a un gars qui a fait le magasin. Bago bala basi ba mi bala ba konote ma lore ni bino moto we baby sa ba image na biso c'est vous. Vous avez eu vos passeports mais l'argent qu'on vous a donné bon dit bato mo du peut 3 000 euros pour 4 boules à 4, c'est-à-dire 500 euros vous enlevez. Chacun d'entre vous enlevez 500 euros. Vous enlevez, vous en donnez à ces mamans-là. Bon, on va écouter les autres. Les audios des mamans. Du gros n'importe quoi, du gros n'importe quoi. Moi, je suis côté du peuple. Miranda, comment ça, je suis mon cœur? Comment ça, je suis mon cœur? C'est eux-mêmes, maman Moko, c'est pas moi. Comment ça, je. Maintenant, comment vous allez faire pour prendre les avocats? Parce qu'il y a une plainte contre vous, là. Nous avons notre plainte contre vous. Mireille a financé une plainte contre vous. Des aventuriers lombards, tu sois. Des aventuriers. Et là, pour ma banque, nous avons une formation dans la banque arabe. Nous avons depuis la. Depuis na tinga mina bango, depuis na kanga mina bango, baké na gauche, naké na gauche, baké na droite, naké. Baké au milieu na saka na bango kaboy. Kiji, kiji. Yango, na boy na nga violence, na boy na nga violence, parce que na ebi na sala le kamomo ka mabe, na kende boloko, na ni mota pesa bina information, na boy na nga violence. Eh! Mais bino mo boy ebi, ezala ba peuple, ezala bato. Obana kanda na binu ngana boy na nga violent nana mabora ma be traumatisé ki so na betio li confirme bata traumatisme na boy na nga violence ngongo anye ngo parce que ngai fona zaka be forma so be na mimi na bina le tout wala ki ta promis la mort qui se vantait être un bichu. Bichi le poule, c'est le moment de prouver en donnant l'argent. Mais merci Michel, mais merci Lukayazou, Lukayatouvi. Et le temps, Kenagara Nambongo, ah mais c'est leur équipe, Kenagara Nambongo, Kakotizambongo. Et puis il dit, je travaille, tout le monde travaille ici, tout le monde travaille, tout le monde travaille. C'est parce que nous autres là, on est déjà des leaders d'opinion, leaders de la jeunesse. Je ne peux pas venir parler de mes biens. Est-ce que vous comprenez? Je veux frustrer ceux qui se cherchent. Je veux frustrer ceux qui veulent arriver, être comme Faye. Je veux les frustrer, frère. Je ne peux plus faire ça. Quand on était des jeunes, on faisait des. Moi, j'ai fait ce qu'on appelait le boucan. À Massissia, on partait, on achetait des casiers. Les biens, on faisait monter comme ça, là. On louait des voitures, 3, 4, 4, 5 taxis. Nous, moi, j'ai fait cette vie-là. Là, il est temps. On leur a donné l'argent qu'ils n'ont même pas travaillé. Matakouzala, ils ne se donnaient même pas dans la liste. Hein. Il n'y a même pas leur nom dans la liste, même de leur président. Il n'y a même pas de nom sur la liste. On va revoir la liste et puis je vais vous mettre les audios. Ils sont là avec. Moi, je vous ai dit, Yambong à Moyaka, Yambong à Saleté. Ils ne vont rien faire avec. Hmm? Ils vont rien faire avec, chers amis. Regardez, c'est pas moi, c'est leur. Nanaibi Batote, hein? Liste Nabango Yango. La liste de l'association Bichi Congo. Wallace 150. Mantela 50 euros. Gustavine 50 euros. Tata Lusu 50 euros. Tata Ovadou 50 euros. Tata Fila 50 euros.
Maman Solange, 50 euros. Félicitations, les mamans. Tata Bonal, 30 euros. Maman Brunel, 30 euros. Félicitations, maman. Parce que vous êtes des femmes. Tata Michel, 25 euros. Total, 535 euros. Plus 30 euros pour le billet de notre frère. Le Ngo de c'est le nom là, le Ngo de Brazzaville. Vous allez écouter l'audio. Calme-toi maman, vous allez écouter les audios. Donc là, il y a combien de personnes qui ont donné? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personnes qui ont donné. 10 personnes qui ont donné. Maintenant, écoutez la liste. Ils sont plus de 100 dans leur groupe. Plus de 100 personnes dans leur groupe. Écoutons les audios. Attends, nos volumes bien. Écoutez les audios. Écoutez les audios et les audios et les audios. Écoutez les audios. Le show. Et... Ah, le Parlement, quel Parlement? Lise et Anne Chilimo, même Benoît le mot Parlement. Ah, mais vous êtes les mecs. Ça, c'est les mamans, bah, maman, bah, tombo qui, y a bah, maman, y a Bichi Kongo, bah, tombo qui, écoutez. Ah, le Parlement, quel Parlement? Lise et Anne Chilimo, même Benoît le mot Parlement. Ah, mais vous êtes les natifs de du poule, Beno. Même 5 euros, même 10 euros, même 2 euros pour le poule. Ah, mais vous êtes mon échelle, polémique, quoi, c'est le couche zone, c'est là, comme. Tata, 22 mètres, elle me dit, à quoi elle est mal à ma tôté? Les 104 personnes là. Nous 104 personnes là, il y a moi qui m'a c'est 5 euros, 5 euros. Vous savez quoi le doux qui s'est venu? Vous savez, il est le poule. Tata Badou. Tata Fila. Ama Salaman, tu ne t'as pas. Benin, Benin, le son, ça comme Bingana. Ama Salaman, tu. Nous puissions pas nombre donc pour vous dire comme le faille informé nana mi chopona ba on ne va pas ki je suis dans les boyaux de comment on appelle de Mireille la fine biso to era to débloqua boyaux wana to Mireille faut paiement vimbo lia otonda. Biso to côté le baron maintenant avait testé to pesi baron avait hémorroïde moyen ko vanda ko bien zati so ya keka ba monye lunga fa zongi ba monye lunga zonza ko binga na ama salamanchi nous puissions pas nombre mouyamba kwa mko se bwanji bakakaba bakani sama kutoka na nako fai fai mga tako lu figi mga kakani mungu tako tuki lu lemba ne men 2 euro pour le poule tata vadou nsa mampe tena taban ojo za tebele kwe kabia katabana mazalama gila yiku parle mou mouyi yaya balabamuna katoka na kotera kutoka. Parce que je n'ai pas clair. Si je ne me fous pas, je ne vais pas théoriser le moment. Mais nous, nous sommes gênés. Mais quand nous parlons, nous avons 104. 104. Tu as le nombre de tout bâti. 104 personnes, mon moment. 5 euros, 5 euros. 5 euros quand le nombre est même 2 euros. Pourquoi que tu dis ça? Tata Badouanchi. Nous sommes tous les gens qui ont été fait. Tata Fila, Tata Tabino. Bichi les poules. Mon œil. Et j'habite sur le poule. Pourquoi c'est pas polémique? Bah, tout ça, tout est pour les cabas. Eh, ma télé, qu'on est, ma vadou, ma yélé, qu'on est, ma filature, ma yélé, qu'on est. Bakoulé, non. Moi, vous avez noir, quand même, vous avez sali, là, vous, là, vous. Et vous avez tacac. Et vous avez tacac. Yindula. Bakoula, 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 bakoula. On est un babou, quand même, ma boule, là, 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 bakoula, bakoula. Bakula, à part le Mozan, tu as tout vu. Tata Badou, on est le forum.
Et même une carte qui rime. Oh Dieu. Nous, on a des groupes depuis des années. Depuis des années. Je gère au moins plus de 200 groupes. Là, je suis administrateur. Avec Bilal. Depuis des années, il n'y a pas de problème. On est dans le groupe La Vérité. Depuis des années. On est ensemble. Je ne nous chie là, et nous nous sommes là. Nous sommes le poule. Abou Pia, bon des traites, va. Chers amis, chers compatriotes, on va s'arrêter là. On est ensemble. Ingeta, le rendez-vous mardi. Mardi à 9h, tribunal de Fabrice Nkazi. Bonsoir. Le rendez-vous mardi au tribunal de Pontoise. En ensemble, merci en tout cas, merci à vos soutiens. Ingeta, toujours Togolonga, la victoire est là. Moi, n'ambo ka bazo tepa. Tout le monde a bango kaka boye. Bazo mi lia na bango. Mais il y a un truc qui arrive. Il y a des choses qui sont en train de se faire entre eux. Togolobate. Vous m'écrivez sur WhatsApp, je vais vous rajouter dans des groupes, il n'y a pas de souci, frère. Voilà. Mais, il y a des groupes étapes, nab étapes. Hein. Donc, on fait pas. Il y a des groupes là où on met les informations, tout le monde s'informe. Maintenant, dans des groupes de comme le noyau dur, là-bas, en tout cas, il faut qu'on ait un niveau moroboué, mon frère. Il n'y a pas de souci, Michel Tsana, tu viens. Il y a des groupes là où on s'informe, on se donne des informations. Mon tuteur, au tchèque, formation, on discute, là, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut rentrer dedans. Voilà. On est ensemble. Allez, Ingeta, bonne soirée. Togolonga.